aide au pied du flambeau. Les hommes sont prêts. Gamelin, suivez l'étendard du roi au centre. Grimbold, menez votre compagnie à droite quand vous aurez passé le mur. En avant! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous êtes en compagnie de Mathieu alias Dark Michael et je serai avec vous tout au long de ces vidéos afin de parler de stratégie, de création de listes et de vous donner un maximum d'informations pour remporter votre prochaine bataille. Et nous voici sur le tout premier podcast. Donc il faut savoir que c'est la première vidéo et que la chaîne va être articulée de deux façons. Donc la première sous forme de podcast comme cette vidéo actuellement et d'autres où il y aura des petits montages vidéo afin de mieux vous expliquer certains types de batailles. Et c'est parti pour comment aller à son premier tournoi en étant bien préparé. Mon premier conseil, et c'est le plus important, c'est d'aller à son premier tournoi en y allant pour le plaisir. Vraiment, partez du principe que vous y allez pour vous amuser, car avant tout, le tournoi c'est un lieu d'échange et de partage. Donc il faut vraiment pas avoir peur d'aller échanger avec les gens, de parler même avec les plus vétérans d'entre nous. On sera toujours ouvert à parler avec vous et ce sera un vrai plaisir d'échanger parce qu'au final, on est tous des passionnés. Peu importe le niveau de jeu qu'on a, on prend tous plaisir à venir jouer et à échanger sur le jeu. Donc une fois qu'on a cette bonne philosophie, c'est là où on va rentrer dans le sujet. C'est moi, je suis un peu stressé, je sais pas trop comment appréhender et comment me préparer pour mentalement être prêt et me sentir à l'aise et bien le jour J. Donc qu'est-ce que je pourrais faire pour ça ? Pour être à l'aise, il faut se dire qu'en fait, on va jouer avec des potes, tout simplement, car au final, on est tous une bande de potes. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à mon premier tournoi, je connaissais strictement personne, donc c'était à Bordeaux où j'ai fait mon premier tournoi. Et au final, des joueurs de tout niveau et de tout horizon, on a tous discuté entre nous après la partie, on a mangé ensemble, et c'était vraiment très convivial et très familial. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce jeu. Par rapport au jeu de Wargame, c'est qu'on est une petite communauté et qu'on est tous là pour partager et on est tous des passionnés. Donc vraiment, il faut parler avec tout le monde, on sera ravis d'échanger avec vous, de parler. Donc une fois qu'on a bien compris que tout le social, ça va être que du plaisir et du partage, on va rentrer un peu plus dans ce qui va aussi nous mettre du bien, c'est qu'est-ce qu'on va jouer et comment se sentir bien lors de la partie. Donc quand on parle de ça, la première chose à faire pour moi, c'est de jouer quelque chose qui nous fait plaisir à jouer, même si c'est pas le plus compétitif, parce que si c'est votre premier tournoi, vous allez forcément pas briller, à moins que vous êtes déjà un très bon joueur, ce qui est possible, mais partez du principe que vous allez pas forcément briller et que votre objectif c'est de faire du milieu de tableau, ce sera très bien. Et pour ce faire, il n'y a pas besoin de prendre la liste la plus compétitive du monde, il faut surtout sortir des figurines qu'on aime bien, avec lesquelles on se sent à l'aise à jouer. Si c'est pour sortir des figurines que vous avez jamais jouées parce qu'elles sont plus fortes, c'est pas forcément la bonne chose parce que vous allez être constamment à regarder les règles de votre figurine, vous allez pas savoir comment la bouger et qu'est-ce qui est bien de faire avec. Donc vraiment prenez ce que vous savez jouer, ce que vous aimez jouer, et comme ça vous prendrez plaisir à sortir vos figurines, à les jouer, parce que mine de rien, un tournoi c'est entre 3 et 6 parties. Si on n'aime pas trop ce qu'on joue, ça risque de vous ennuyer à la partir de la 3 à 4e partie. Donc vraiment, prenez ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez jouer et une armée dont vous êtes fier de sortir sur la table. Et en plus, même si votre liste est moins forte que ce qu'elle aurait pu être en optimisant, au final, c'est qu'une partie et si on la perd, c'est pas grave. Même pour faire un top tableau, si on perd des parties, c'est pas grave. Donc il faut pas se mettre en pression, votre vie elle va pas changer parce que vous perdez une partie. Et il faut juste se dire, j'ai perdu la partie, go s'amuser sur la suivante. Au moins, j'ai pris du plaisir à la jouer, j'ai pris plaisir à jouer ce que j'ai joué. Et j'ai appris aussi à échanger avec la personne et j'ai connu une nouvelle personne sur la table de jeu. Et ça, c'est toujours ce qui fait plaisir. Maintenant qu'on a nos deux premiers conseils, je le rappelle, le premier, c'est ne pas avoir peur de parler aux gens et de y aller pour le plaisir et le fun et s'amuser. Et le deuxième, c'est de jouer quelque chose qui nous fait plaisir. Donc une fois qu'on sait quelle armée on a envie de jouer, quel héros on a envie de sortir, juste parce que ça nous fait plaisir, on va pouvoir commencer à construire notre liste autour. Avant de parler de ce troisième conseil, il faut bien comprendre le deuxième, que là on parlait de thème, de choix d'armée et de choix de quelques héros qu'on a envie de sortir. Donc par exemple, si vous avez envie de jouer du Gondor, jouez du Gondor. Si vous avez envie de jouer Gandalf parce que vous adorez le personnage,
eh ben, jouez Gandalf le Blanc, même s'il n'est pas à vos petits en ce moment. Vous allez vous faire plaisir et vous pourrez toujours vous dépatouiller avec ça. Donc maintenant, le troisième conseil, c'est vraiment prenez toujours de quoi répondre à un scénario. Nous avons des scénarios qui vont demander une bannière dans les objectifs. Alors, prenez une bannière, comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous ne partirez pas avec des malus sur la partie. Pareil, certains scénarios vont demander de bouger plus vite. Alors, prenez quelques cavaliers, un ou deux suffiront, histoire de pouvoir toujours répondre à toutes les situations. Et le troisième point à prendre en compte, c'est d'avoir un héros dans votre liste qui ait accès à la frappe héroïque. Cela va vous permettre de rentrer dans des duels de héros et vous ne serez jamais démuni face à un héros adverse. Si on résume, mettez donc une bannière pour les scénarios où il y a besoin de bannière, mettez quelques cavaliers pour les scénarios où on demande de la mobilité, et mettez un héros avec accès à la frappe héroïque afin de pouvoir gérer quelques héros adverses. Maintenant qu'on sait comment se préparer notre liste, comment avoir le bon état d'esprit au moment d'aller sur notre tournoi, je vais aussi vous parler d'un petit point noir, un petit point négatif qu'on peut avoir dans les tournois, et il faut y être préparé. Il est possible que lors de votre tournoi, vous ayez une partie moins sympathique que les autres, pour diverses raisons, que ce soit parce que le joueur adverse vous a juste roulé dessus et que vous avez été frustré de ne pas pouvoir avoir fait grand chose, que ce soit parce que la personne en face n'était pas forcément des plus sympathiques, ou pour toute autre raison. Il est possible qu'une game se passe moins bien. Donc si on est préparé à ça, on part du principe qu'une de nos parties va être moins amusante que les autres, et comme ça on n'est pas déçu quand ça arrivera, car on sait déjà que ça peut arriver. Mais je vous rassure tout de suite, la plupart du temps, tout le monde est bienveillant et tout le monde est sympathique autour de la table, car on vient tous pour s'amuser et pour jouer. Passons maintenant au cinquième et dernier conseil que j'ai à vous prodiguer pour votre premier tournoi. C'est tout simplement préparer bien tout ce qu'il y a autour de vos figurines. C'est-à-dire, n'oubliez pas votre maître, votre dé, vos règles, un plateau pour tout transporter. Vraiment, prenez un plateau suffisamment grand pour pouvoir tout poser. C'est-à-dire, votre maître, votre figurine, vos livres si besoin. Et la dernière chose à faire, c'est préparer des antisèches. Donc oui, ce n'est pas pour tricher, mais c'est bien pour vous rappeler bien toutes vos règles de vos héros et de vos unités. Car il est facile d'en oublier, et là, c'est trop chiant quand on se dit « Oh putain, j'ai pas fait cette règle, et du coup, je me suis fait niquer dans la partie. » Ah, c'est tellement chiant quand ça arrive. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de tout simplement prendre un papier, marquer le nom de votre héros, ses petites stats, les règles spéciales avec un petit résumé qui vous parle vite, et marquez aussi celle de vos infanteries. Généralement, on n'a pas 14 troupes différentes, on a genre 4 ou 5. Donc, n'hésitez pas à vraiment marquer leurs règles spéciales et leurs caractéristiques. Ça vous évitera d'ouvrir tout le temps le livre de règles et de perdre du temps là-dessus. Et c'est vraiment chiant. Et en plus de ça, ça vous permettra de vous rappeler rapidement quelles règles vous avez à faire. Et avant votre tournoi, comme vous aurez préparé vos antisèches, vous aurez remis dans votre esprit toutes les règles spéciales que peuvent avoir vos figurines. Et on va préparer une deuxième antisèche, que là on pourra ranger dans le cahier et en sortir une par partie. C'est une antisèche en fait de préparation à la partie, c'est-à-dire qu'on va prendre un papier, on va écrire tous nos héros, toutes nos figurines à multi-PV, et on va marquer les points de vie, volonté et destin en faisant des petites cases, comme ça, quand on aura consommé notre point de puissance, on n'aura plus qu'à cocher cette petite case pour dire « voilà, c'est fait ». Donc soit vous en préparez un, vous plastifiez et comme ça vous pouvez effacer, ou vous le préparez au stylo et vous effacez le crayon de bois, soit vous en préparez autant que vous avez de partie, comme cela au début de partie, au lieu d'être dans votre coin à noter vos points de puissance, vos volontés et vos destins, vous serez plus en train de parler avec votre adversaire, écouter sa liste d'armée, car oui, n'oubliez pas de demander à votre adversaire qu'est-ce qu'il joue et de vous rappeler ses règles. C'est très simple à faire au début et n'hésitez pas à le faire, votre adversaire le fera avec un grand plaisir car ce sera pour lui l'occasion de vous expliquer ses règles et de vous montrer sa belle peinture. Et voilà, c'était mes 5 conseils pour arriver sereinement à un tournoi, donc c'était aussi ma première vidéo, donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire ou en MP sur Discord ou autre, afin d'améliorer le format, et puis j'espère que ça vous plaira, et qu'on va pouvoir par la suite vous montrer un peu plus de tips de bataille, de conseils, et de choses stratégiques autour de MESBG, donc j'espère que vous avez kiffé le format, et que vous kifferez les prochains, en tout cas,
C'était votre humble serviteur pour tous autour d'une table, vous liez.